Bien oui, en direct d'une opération Pambania. Anniversaire des gamins. Un petit peu plus. T'as bouffé les crevettes ? Non. C'est donc une opération Pamba bien partie. Demandez dès maintenant pour Noël. Cahier des Vallées. Bon, là, pour l'estomac, ça ouvre l'appétit. C'est prêt pour ceux qui désirent se commencer à se restaurer. On peut. Au paradis et Lozère, donc c'est ici, à Drape, à l'espace Jean Ferrat. Oui, là en direct. Les femmes du matos, c'est une caméra et tout. C'est une belle salle pour jouer là. Allez, on va attaquer donc l'atelier confection de Pambania, animé donc par François Deschamps, champion du monde du Pambania. Donc, peut-être que je vais laisser la parole à François qui va nous expliquer un petit peu le déroulement de cet atelier. Bonjour à tous. Donc, on va apprendre à faire un vrai Pambania. Donc, ni mayonnaise, ni haricots verts, ni pommes de terre, ni ketchup, ni canouleur. Non plus, pas de salade, surtout pas. Ni mesclun, ni pâtisserie. Pas de salade en Pambania, le salade en cuit et neuf. Donc, j'ai gagné le championnat de France le 17 juin dernier. Aujourd'hui, en fait, si j'ai des démonstrations, c'est au profit d'une association qui s'appelle Conscience Africaine à Saint-Lot. C'est pour lutter contre la leucémie et aider la recherche en cancer. Voilà, c'est une petite fille qui avait 11 ans, qui est décédée il y a un mois et demi. Ses parents ont créé une association, nous sommes en train de Nice. Voilà, donc je vous invite tous en fait à donner votre sou, votre plaquette, votre moelleuseuse. On est tous éveilleurs de vie et ça évitera en fait peut-être d'avoir encore des décès puisqu'on a un décès qui fait 15 minutes d'enfant. Il y a des adultes aussi, bien sûr, pour ça. Donc aujourd'hui en fait, alors pour justement aider cette association, les droits que vous avez gentiment invité en fait à venir faire une démonstration pour Mania. Donc l'atelier est justement du succès d'attendre plusieurs fois. J'ai mis des ingrédients dans l'ordre exact en fait qui doit être qui est un ordre. Donc je retiens cette recette de madame Dominique Bradigal, qui est une personne inconnue, qui était une ardente défendresse en fait de la cuisine niçoise en patrimoine niçois. Et on peut revisiter, mais à ce moment, la revisite n'est pas pareille. Donc moi je tiens à la tradition. On a le pain de Jeannie de la Trappe qui est un roi. Donc le nouveau chantrap a gagné le deuxième prix principal. Il a pas mal de filles. Oui, direct. Donc on a des conducteurs aussi qui vont faire le produit. Voilà.